I'm sorry about before. And I'm sorry about your soldiers. No need for that. You'll have a hard time getting up every morning if you dwell on that too much. Machines don't do that. And if we want to destroy them, neither can we. Rivers, since Pacific Division no longer exists, you will now answer to me. That makes you a part of TechCom. Congratulations. No more sitting around waiting for Skynet to come to you. Over here, we go out there and meet the enemy face on. This is it. Resistance Shelter, South Division. Baron, DN38217. Commander. There with me. Where are the others? Where's my husband? They're dead. Over here is our quartermaster. If you need anything beyond the standard issue equipment, work it out with him. And here's Alvin, residing chief Egghead. I prefer laboratory director. Like I said, Egghead. He supplies all TechCom units with weapon modifications. Everything looks well organized. It is. Everyone pulls their weight here. If someone doesn't, we become weak. And you can probably imagine where I stand on being weak. I'll get right to it. There's a reason I decided to meet you. We intercepted some interesting data. It turns out you're part of a prestigious group. A group of people that Skynet marked for termination. See, John Connor, the leader of the Resistance, is number one on that list. Then, there's me. I know, I'm flattered. Every day, we lead, we fight, and we plan on how to destroy Skynet's central core. So I know exactly why we're on that fucking list. But why would Private Rivers be number three? That infiltrator said something about me being marked for termination. Huh. Interesting. I'll have to have a word with Connor about that. And that brings me to my second point, your first assignment. After the Annihilation Line got to Pasadena, Skynet started building installations there. I want you to go there and collect some intel, so we know what we're up against. Sounds dangerous. It will be. Check with Alvin before you go. He'll have something for you. Remember, you might be valuable to Skynet, but the way I see it, you're still a private. Dismissed. Et bonjour à tous et bienvenue sur la Gata TV. Vous êtes en compagnie du Droid Geek et on se retrouve pour l'épisode 4 de Terminator Résistance. Donc dans l'épisode 3, qu'est-ce qu'on avait fait de beau? Donc on avait été à l'hôpital récupérer des médicaments. Donc ensuite on avait aussi réussi à libérer, en détruisant le générateur principal de l'hôpital, des compagnons d'armes de la Résistance qui nous ont permis de rencontrer Baron ici présent. Ensuite on a été la rencontrer, mais on a été pris en embuscade et on a dû s'enfuir, et nous voici maintenant dans leur QG. Donc hop, sans plus tarder, on va continuer. Il n'y a pas des trucs à récupérer ici? You're going back to Pasadena? Can't imagine what it's like there. Toi t'as l'air motivé. Yep. Je suis un peu paumé dans ce nouveau truc. Donc là on a tout ce qui est pour les établis. Ok. Ah oui, on a aussi monté en niveau. On a 3 points de compétences disponibles. On va débloquer celui-là pour utiliser les armes laser. Le crochetage, on va le prendre au maximum. Et le sac ou... Non, bon élève. Hop là. Hop là, ça c'est fait. Hey, it's a Pacific Division uniform. OK, donc qu'est-ce que tu me dis? You have something for me. I do. Commander Baron wanted me to show you how to customize your weapons. Something I've been working on for some time now. You see, your standard phased plasma is in a 40-watt range.
However, you can upgrade its damage, shooting rate, or stability using decoded chips. The same ones you've been collecting from fallen Terminators. You can do the upgrades yourself. When you're done, go to the Quartermaster. I believe he has something for you as well. D'accord. Ça sert à ça les puces. Donc c'était dans quoi? Je n'ai pas trop regardé. Inventaire. Améliorer le fusil à plasma. Faut utiliser une des machines là? Non? Excuse-moi, tu pourrais répéter? Just try it. Non. D'accord, j'ai deux fusils à plasma sur moi. J'ai celui-là et celui-là. Donc lui, 75 de dégâts, lui, 65. Bon, on va t'améliorer. Avec des dégâts de 30%. Ensuite le chargeur, si je te mets ça, ça te sert à rien. Donc peut-être la stabilité. Non, stabilité ça te donne rien. Cadence de tir. Donc on va mettre 30% de dégâts en plus. Stabilité, je vois pas à quoi ça sert. Cadence de tir. Et chargeur 30%, 31, 35. Circuit déconnecté. Est-ce qu'il faut que ça soit tous dans... Hop, stabilité. Donc on avait des cadences de tir. Et le chargeur, 35%. Vous avez des modifiés, voulez-vous les appliquer? Ok. Non. Hop. Pourquoi ils apparaissent pas? D'accord. Alors, si je prends ça, si je mets du dégât, il faut forcément de la stabilité à côté. D'accord, ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Chargeur 35%, si je prends un chargeur 35%, je peux mettre une cadence de tir. Ah non, ouais, faut que le côté droit corresponde aussi. Ah ouais, c'est compliqué. Compliqué, compliqué. Donc là, il me faudrait 3 à gauche et un truc plein à droite. Donc là, j'ai du dégât. Est-ce qu'en cadence de tir, j'ai ce qu'il faut? Non. Est-ce qu'en chargeur, j'en ai 3 à gauche et un plein à droite? Non plus. J'aurais le chargeur là comme ça, mais au milieu, si je mets de la cadence de tir 12%. Allez, hop. Amélioration active. On va faire celui-ci. Si je mets de la stabilité, avec de la stabilité, je mets des dégâts à 15%. Et donc là, il me faut 3 à gauche et un blanc. Donc là, je peux mettre que du dégât plus 5%. Stabilité plus 7. Ouais, non, stabilité, ça ne donne pas trop envie. Qu'est-ce que j'ai avec 2? Je peux mettre dégâts
J'avais le chargeur. J'avais un chargeur en 3 cadences de tir. Là, il me faudrait 3 à gauche. Voilà, activé. On va faire ça. C'est un peu compliqué, mais bon. Hop là, parler à l'entendant. Il faut que je vende un peu aussi quelques petits objets. I'm Private Rivers. You got something for me? I've been told you're using old goggles from the Pacific Division. Those aren't even standard issue anymore. Commander Baron asked me to hook you up with the latest version. These babies coming. Eh bien, on refait tout notre équipement, c'est plutôt bien. What do I do with them? The idea is when you find pictures will be automatically sent to them. That's it? That's it. We have a place ready for you here when you come back. Before you leave, take a look and I can get my hands on almost anything. But I don't. Donc ça, on va le revendre, ça aussi. Munitions pour petit calibre, munitions pour fusil automatique, les munitions de petit calibre, on peut tout revendre, on garde que de l'essentiel, et là ça devrait être bon. Ça c'est quoi? Grenade à main, ensuite on va acheter des munitions comme ça, et des munitions de calibre moyen. Ah, j'ai déjà plus de thunes. D'accord, ça coûte la peau du cul. That's it then. You're leaving us and going back to Pasadena. Not yet. I need to collect the rest of my stuff from our hideout. Fine by me. Let's go. Allez, tu viens, poupée. Voilà. Please, you need to tell me what happened there. Where's my husband? We were ambushed on our way out of the metro station. There was nothing we could do. He died protecting us. I'm sorry. Oh my god. Thank you for telling me this. You did good by telling her. I don't care what Baron says. That woman deserved to hear the truth. Not knowing would destroy her. Believe me, Erin would kill to know what happened to her husband. Allez jusque là. Moi je veux rentrer avec ce joujou là. Allez. On ressort. Voulez-vous quitter la zone? Oui. Et on arrive directement à la planque. Patrick! Look, look! Ryan fixed it! Ryan fixed the bus. That's great news. Did you help? No. I was there and helping Mark. He's doing much better now. I hear that you fixed the bus. Yeah, finally. What about you? Did you meet the resistance? Yeah, finally. Okay. Joyeux. Hey, mamie. I heard about Mark. What happened? It was a close call, but he's on the mend now. And I have to thank you for that. So, thank you. So, what's new with you? I've been ordered to go to Pasadena to collect some intel. Is there anything you need from there? Right now, I don't need anything. But there's something you might be interested in. Uh-huh. When we were running away the other day, Colin was supposed to bring something. Boxes of adrenaline, painkillers, and who knows what else. Since he didn't bring anything with him, I'd imagine everything's still there. Those stimulants might be useful to you. When used in small doses, they can improve focus and alertness. If I were you, I'd take a look. You didn't change your mind about joining the resistance? No. I'm packed and ready to go. You're the one that kept saying that we're going, when in fact we're not. Oh, you really pissed me off, I must say. I'll be on my way. Oh, talk to Ryan. He wanted to give you something. Allez, on va parler à Ryan pour qu'il nous donne ce qu'il nous est là à nous donner. Couteau d'extermination.
Équipez le couteau, puis approchez-vous d'un terminateur par derrière quand un indicateur apparaît. Sur clic gauche, le couteau est une arme à usage unique. Ok. I see you got that bus running again. You didn't think I would, did you? Well, don't write me off just yet. I still got it. Anyhow, I got something for you. It's called a termination knife. It's supposed to shut down a Terminator with a single stab. So oh, if man. You sneak in and you want to take them down silently, well, that's your go-to weapon. I guess you could say it terminates Terminators. Wow. That was almost as bad as jam. Where did you get that? A group of travelers came by earlier. We traded, talked for a while. Actually, they said something that got my attention. Something about meeting a guy out there who kept asking about Jacob Rivers. He said it didn't seem right. You don't think it's that thing that you told us about before, do you? Sorry, I probably should have said something right away. Have you changed your mind about joining the Resistance? No. No, I have not. I think I'm better off anywhere that bus takes me. I'm moving out tomorrow. Anyone who wants to join is more than welcome to, but I don't suppose you're interested. Alors, les couteaux ont l'air pas mal. Retour à Pas... Voilà, you're going décidément. To Pasadena? Yep, I am. I have a mission for you, a secret mission, super important. Probably the most important of them all. What is it? Could you bring me my chalk? Chalk? Yeah, it's at my house. The one with the beware sign on the side. Could you bring it to me? I mean, if you could. I did bring you that bullet one time. I'll see what I can do. Cool. Ok, faut récupérer des craies. Voilà. Faut récupérer des craies, retourner à l'usine pour récupérer ce que Colin avait laissé. Rivers, are you receiving me? I am. On va d'abord faire les petites missions annexes. Et bah ce flingue là fait pas mal de dégâts. J'aime bien. J'ai bien fait d'en exterminer autant. On a un autre dans le coin. Il doit être juste au-dessus. Et juste derrière. Surprise. On va éviter d'utiliser toutes les munitions quand même. Voilà, on en est où par rapport au point? On n'en est pas très loin. On va continuer par là. On peut prendre une photo. Il y a même un zoom. Private, there's a strong possibility that you'll encounter a T-47 there. It's Skynet's newest Walker type HK. If you can, take a photo of a functioning unit that we can analyze. Over and out. That's gotta be Collins. Olé. Thank you.
plaît. Où c'est le bordel? Où c'est le bordel? Où c'est le bordel? Mince, je me suis trompé de touche. J'ai voulu trop y aller, j'aurais dû y aller doucement. J'aurais pu y passer. Donc là, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Déjà, par où est-ce qu'on y accède? C'est par là? Ah ouais. Ah non. Je ne vois pas par où on doit y accéder. Il y a un passage en dessous? Ah oui, là. Ah, piège laser. Approchez-vous d'un piège laser, appuyez sur eux pour le désamorcer temporairement. Il n'y a rien d'autre. On prend ça. Là, il y a l'établi. On va crocheter ce coffre-là. Hop là. Il manquait pas grand-chose. Ça, ça ne m'intéresse pas. Hop. Dispensary? There has to be a hospital nearby. On sauvegarde. D'accord, donc ça c'était le sac de Colin. Trouver la pharmacie dans un hôpital dans le coin. Ok. Aïe. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Je ne l'ai pas vu. Je me suis relevé un peu trop tôt. J'avais oublié cette caisse là en plus. Ouais, donc on va faire attention. Ça a l'air de faire sacrément mal. Un peu du mode ninja pour passer par moment. Donc ensuite, la pharmacie est beaucoup plus loin. On va aller à ce point-là. On va faire celui-là, 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 et on va terminer par celui-là. Avant-poste de Skynet. Pour désactiver un avant-poste, vous devez détruire le générateur. Vous pouvez aussi pirater les... D'accord. Commander, I've encountered Skynet's plasma storage. You have a green light to destroy any Skynet structures in Pasadena. But keep in mind, that is not your highest priority. If you want to save ammo, overloading the main computer at any store... Va falloir que je me faufile là-dedans. On va essayer de tester un peu. Oh merde! C'était prévisible, je me suis fait dégommer. Là, c'est même plus dégommé, donc là, je reprends. Au sous-sol, j'ai tout récupéré. Oula. On va faire doucement. J'ai pas envie de me faire rozigouiller.
remonte là. On repasse par le passage. On va essayer de contourner tout ça. En plus. Merde, je crois qu'on s'est fait griller. C'est que si je descends là, il y a moyen que je me fasse avoir. Oh mince! Ah! Je l'ai entendu, mais je l'ai pas vu arriver. Décidément, je commence à avoir un peu de mal à gérer. Ouh, j'aime pas quand tu glisses comme ça. On va passer directement par là. On change d'itinéraire, on en essaye un autre. Terminator qui arrive vers nous. On va essayer de le contourner. Il va être juste derrière là, ouais. Je me demande comment j'ai réussi à passer comme ça, mais bon. Celle-là. Merde. Ah, purée. Saloperie. Je vais pas réussir. Mince. Ils sont coincés avec la porte. Thank you.
On va attendre que la tourelle se calme. J'ai réussi à en avoir deux. C'est plutôt bien. Piratage court. On va augmenter la compétence. Compétence. Ah non, je ne peux pas. Ah, je me suis fait avoir. Il faudra y revenir plus tard. Ou alors, il y a un moyen de passer de l'autre côté. Il doit y avoir moyen. Il n'y a pas moyen que je passe là. Et malheureusement, je me suis coincé. Je ne peux plus me déplacer, je ne peux plus sauter. Super. Bon bah, faut redémarrer au point de passage. Malheureusement. Ah là 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 là, décidément, cet épisode-là ne va pas être que parfait. Allez, on commence. Je fais un peu n'importe quoi. Et merde. Qui arrive, et cette fois il y en a deux. Meilleure méthode, c'est de fuir. On va faire demi-tour de l'autre côté, c'est pas passé loin. J'ai vraiment du mal avec les Terminators, moi. On va passer par là. On va les contourner. Encore la tourelle là-bas. En espérant que la tourelle est med. Mince, j'ai voulu le faire trop rapidement. La tourelle, elle est piratée. Bon, malheureusement, cette quête-là, je ne peux pas la faire. On va avancer. Et je ne vois pas pourquoi je suis repassé par là, parce que j'ai pas le niveau pour. Faut monter là-haut. Faut monter là-haut, faut monter là-haut.
Bon, l'appareil photo, appuyez sur V pour tirer une lunette, viser la cible, et appuyez sur E. Sending you the first set of pictures. That's exactly what we need. Move to the second point. Allez. Maintenant, c'est beaucoup de piratage et moins de crochetage. Donc là, on récupère ça. Ça pouine un peu. Oh mince! On va se soigner un peu. En parlant de ça, ce point là j'ai pas pu le faire. Il y a l'autre point qui est juste à côté là. Il y a pas mal de choses. Là je ne vois pas ce que ça pourrait être. Avant-poste ouest de Skynet. Crée. Avant-poste. Planque de colline. D'accord, ça c'est des avant-postes. C'est pour ça. Je vais faire la craie. Mais pour ça, il faudra que... Oh punaise! Oh mince! Je me suis encore trompé de touche. Hop, on esquive, on esquive. Je me suis encore mis dans un four tout peu possible. Oh mince! Ils sont vraiment partout. On va se cacher là. Où est-ce qu'elle est que t'as créé toi? Où est-ce que t'as foutu tes crèmes Putain, il rentre dans la baraque. Oh mince! That's Jennifer's father. Poor guy. Empty. J'ai trouvé la boîte à craie sans le vouloir. Mais bon, c'était tendu là, c'était tendu. Oh bordel de merde. Compétences, non, inventaire. On va mettre ça. Ah, faut que je l'équipe à la place d'une arme. D'accord. Hop. Là, il commence à m'énerver. Bonne nuit. On sauvegarde. J'ai déjà assez de mal à venir ici. Allez, maintenant faut remonter. Oh là là, t'as... C'est nouveau ça. C'est nouveau, c'est nouveau. Ensuite, après l'avant-poste là, il va falloir refaire celui-ci là. Quoi, il y a encore un machin de craie? Oh non, t'es sérieux? J'en viens de par là. J'en viens de par là, j'en viens.
Oh mince, je me suis... On va se soigner avant qu'il arrive. S'il te plaît, s'il te plaît. Hop là. Ça c'est fait. Vraiment pratique ces couteaux. Bon allez. Je l'avais pas vu. Il doit y avoir les craies dans le coin. En même temps, quelle idée d'être venu faire des dessins ici. Bon, c'est pas grave, ça me fait des ressources. Hop là. Toujours pas de cran en vue. That's quite an imagination you've got there, Patrick. Ah voilà. Okay, that should do it. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Patrick? Oh mince. Ensuite, compétences. Qu'est-ce que je voulais faire? Piratage. Hop. Où est-ce qu'il est ce enflure? Il doit être juste là. Ah oui, il est là. Ensuite. On a dit qu'on irait par là-bas. Bon, ça va être compliqué avec ce bonhomme-là. Donc le T47. J'espère que je vais pas me faire voir par derrière. Allez, on y go. On peut le faire. Là-bas. On vérifie qu'il n'y a personne. On ramasse tout. Là, on peut accéder par derrière. On peut sauvegarder. Je veux bien sauvegarder. J'ai enfin réussi la mission des craies. C'est un peu compliqué. Donc là, je ne sais plus ce qu'il faut trouver. Par ici. Il va falloir que je remonte. Là, il y a encore des trucs. Il y a vraiment pas mal de choses partout. C'est compliqué de savoir où donner de la tête.
C'est limite, j'ai plus besoin de crocheter les boîtes. Est-ce qu'il y a moyen de... Ah ouais, c'est encore tout en haut. Faut que je monte encore. Les escaliers, ils étaient où déjà? Quelque part par ici. Hop, j'ai failli passer à côté de ça. Oh, ça queen bien comme il faut. Il a une sacrée portée de vue. T'as une toile dans le coin. Là-bas. On va se cacher. Hop. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais... Est-ce qu'il y a moyen de... Il y a peut-être moyen de carotter par ici. Mince. J'essaye des petits trucs. Non. Par contre, là, je ne vois pas où est-ce qu'il faut que l'on passe pour monter. Hop. 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 B. E. Et... Second batch going through. Hop là. Got it. One more to go. Bon, maintenant, faut redescendre. Pour redescendre, rien de plus simple. Oh oh. Oh, c'est le gros machin qui m'a détecté. Mais bon, là, je vais tous les attirer. Je vais tous les attirer. Là, il y a un avant-poste Skynet, va falloir que je contourne comme ça pour arriver à la planque. Ça va être tendu, mais on va pouvoir y arriver. Vérifie que personne ne peut nous voir de là. Oh putain! Allez, on va directement dans la planque. On cherche pas. Allez, où c'est entré? Allez, on va essayer de crocheter ça. Et voilà, ça a été crocheté. Et ce lit m'embête un peu. On va crocheter aussi celui-là. Hop là. Ça, c'est fait, on récupère tout. Il aurait bien pu laisser ces trucs, les petits collines. Les chiottes sont dans un état mais dégueulasse. Là-haut, on peut pas monter. On va retourner voir par là. Là, il y a une porte qui est loquée par ici. On doit s'en rapprocher. J'aime pas quand il y a autant de Terminators qui rôdent dans le coin. J'ai vraiment du mal à les exterminer à chaque fois.
ça. On récupère tout. On récupère la bouffe qui avait juste derrière. Dispensary. This is it. Looks like Colin was really prepared. Or maybe he was planning to open his own pharmacy once this was all over. Huh. Aaron will appreciate that. Et donc on a réussi à faire la mission, donc récupérer le sac de Colin. Est-ce qu'on essaye de se faire l'avant-poste avant de terminer? Je sais vraiment pas à quoi m'attendre dedans. J'aimerais bien aller sauvegarder avant. Je n'ai pas pensé à sauvegarder. Hop là. Au moins sans faire un pour voir ce que ça donne. Je suis assez curieux. À mon avis, t'as du Terminator et tout dedans. Piratage moyen. Hop. Allez. Je le sens pas trop ce coup là. Oh ouais, je le sens pas trop. Je le sens pas trop. Laissez-moi tranquille. Viens juste détruire votre truc. Comment pirater à la va-vite. Aide-moi petite tourelle. Aide-moi. Voilà, là-bas il y a le gros machin. Là il y a l'ordinateur de Skynet. Allez, on va essayer de le pirater et voilà. Hop 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 et voilà. Maintenant, faut se casser avant que ça pète. Attends, ça aussi ça va péter. Plasma storage destroyed. Good to hear, River. Now proceed with your mission. Trouver la porte d'accès ici. On va se manier de sauvegarder. On va attendre que la jauge redescende. Et voilà. Bon, on aura au moins fait un avant-poste. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc vidéo un peu compliquée. Je suis mort pas mal de fois, mais bon, j'espère que je vais faire mieux pour la prochaine vidéo. Donc je vous dis à la prochaine pour l'épisode 5. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.